Alors Laurent, on est devant une icône. Sûrement la star du salon, en tout cas pour les amateurs de 4x4. Ah ça c'est clair. Et pas que, parce qu'il n'y a pas que les amateurs de 4x4 qui roulent en Defender. Le Defender, on ne va pas rappeler l'histoire, né en 1948, c'est à la naissance de Land Rover. Donc ça fait 72 ans qu'on attend un peu la relève. Et ça y est, Land Rover a enfin sorti son deuxième Defender, disponible en 2020. Alors qu'est-ce que tu penses du style, toi qui aimes beaucoup, je sais, la Jeep Wrangler, la JL, la dernière génération? Je trouve que c'est sympa parce qu'on voit certains caractères du Defender d'antan, notamment le décroché sur la partie arrière, c'est super sympa. Et le profil aussi, on y est, c'est un Defender. Maintenant, la face avant, c'est très moderne. Et surtout, ce que je lui reprocherais sans même avoir vu l'intérieur pour l'instant, c'est son aspect un peu luxueux, presque bourgeois en fait. Oh bah bien sûr, bah tu sais, Land Rover, c'est devenu maintenant une marque de luxe. Il faut savoir que le Defender sera disponible au printemps à partir de 49 900 euros. Alors ça, c'est pour la version courte qui sera disponible un peu plus tard. Et 55 900 euros en version longue 110, c'est cher. C'est cher, mais regarde une Jeep maintenant, c'est cher. Tout est cher, les 4x4 sont de plus en plus chers. Et surtout, on se demande pourquoi ils ont fait un 4x4 aussi robuste, comme ils le disent. Ils disent qu'ils ont fait le 4x4 le plus robuste de leur histoire. Alors d'après les ingénieurs, on les a entendus hier toute la journée, ils passent partout. Partout, donc c'est encore mieux que ce que faisait l'ancien. Mieux que ce que fait l'ancien, parce que tu as évidemment de 4 roues motrices permanentes, une boîte de transfert avec réducteur, des blocages de différentiel, un central, un arrière et toutes les aides électroniques qu'on peut imaginer chez Land Rover, le fameux Terrain Response. Terrain Response qui s'appelle maintenant Adaptative ou Adaptable et qui peut, comme sur une sportive, tu pourras régler les différentiels électroniquement. Alors tout ça c'est très joli, mais moi je pense quand même que ce Defender va surtout être acheté par des gens qui aiment le style, comme c'est le cas de l'actuel, enfin qui a terminé sa carrière il y a 4 ans. Mais bon, alors pour revenir sur le style justement, c'est imposant, c'est gros, 5,02 m en version longue. Il peut y avoir jusqu'à 7 places, donc ça c'est pas mal. Mais je trouve qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin, notamment tu disais la partie avant. Je trouve qu'une Jeep ou un Class G chez Mercedes a encore un peu plus d'allure. En revanche, il y a un détail que je trouve intéressant, tu m'en as parlé, c'est qu'on peut avoir 3 places à l'avant sur la version courte. Alors sur la version courte 90, en effet, 6 places à l'intérieur, dont une petite place au milieu, plutôt pour un enfant, etc. Parce qu'ils ont mis le levier de vitesse en hauteur, le levier de vitesse de boîte automatique, puisque le Defender ne sera disponible qu'avec une boîte automatique à 8 rapports. Est-ce qu'on aura des versions hybrides ou hybrides rechargeables ? Mais bien sûr, c'est la tendance. Donc il y aura au départ des moteurs essence et diesel, 300 et 400 chevaux en essence. Le 400 chevaux aura un mild hybride, c'est-à-dire tu sais, une hybridation légère avec un système de bord de 48 volts. Et plus tard, un PHEV, donc hybride rechargeable, essence plus électrique. Et en diesel, 200 et 240 chevaux. Donc des puissances relativement conséquentes. Mais bon, la voiture, on ne connaît pas le poids. Il l'annonce beaucoup plus légère parce qu'elle est toute en alu. Mais on sait que chez Jaguar Land Rover, ils ont un problème avec le poids. Malgré l'utilisation massive d'alu, eh bien, les voitures sont toujours lourdes. En résumé, le précédent Defender, c'est la voiture dont on rêvait lorsqu'on était au ski, mais on voulait surtout pas d'elle pour prendre l'autoroute afin d'y aller. Là, maintenant, ça va être un véhicule capable de tout. Alors, c'est exactement ce qu'il dit, c'est qu'il sera meilleur en tout terrain et surtout, c'était difficile de faire pire sur la route. Meilleur sur la route. Je peux te dire, j'ai roulé beaucoup en Defender, c'est la pire voiture du monde à conduire sur la route. C'est une horreur, on est mal assis. Là, pour être monté à bord hier, on est très très bien. Il y a des petits détails, tu verras, à l'intérieur avec des vis apparentes parce qu'ils ont voulu garder ce côté un peu rustique, mais cher, hein. Le rustique c'est cher maintenant, du Defender. Donc il y a un coup de crayon, je trouve que les versions de base avec les jantes en tôle sont magnifiques. Ça c'est superbe. Il y aura des versions commerciales aussi, donc sans banquette à l'arrière, en longue et en courte. En revanche, malheureusement, pas de pick-up.